Salut les amis, comment ça va? Emma Loès dit que nous les Ivoiriens, on la soutient pas beaucoup. Que ce sont les autres pays là qui la soutiennent. Alors que moi, je mets sa vidéo tout le temps là. Et puis elle dit qu'on aime blablater, on aime critiquer. Écoutons là, Non, voilà, il n'y a pas de celles qui me soutiennent beaucoup. Pourquoi vous voulez mettre les Ivoiriens dedans? Pourquoi vous voulez mentir? Ce sont les hommes ivoiriens qui me soutiennent. Sinon les femmes, elles ont mal au cœur, elles ne viennent pas, elles ne me soutiennent pas. Mais mes gosses d'ailleurs, là, elles sont un mois, donc je vous dis merci pour ça. Voilà. Merci mes amours, vous êtes... Il n'y a rien à dire. Dans mon fichier ici, en tout cas, Dieu merci, on a des fichiers où on répertorie qui m'aide le plus, qui me soutient le plus. Et vraiment, ce sont ces 5 pays-là, en Afrique, qui ressortent. Donc, je suis vraiment contente, vous êtes adorables. Je dis merci aussi à mes Emma Love garçons. Arrêtez ça, homme-femme, là, on n'a pas besoin de se marcher dessus. On doit plutôt se soutenir, se s'élever en fait. Les grandes dames s'élèvent entre elles. Voilà. Donc tu ne vas pas prendre ton taxi, venir t'asseoir, tu caches ta camarade femme. Juste pour pouvoir trouver une faille pour pouvoir la dénigrer. Mais le pire, c'est que quand vous venez de faire, là, vous sentez ridicule parce que vous savez que vous l'avez fait pour rien. Il n'y a rien à reprocher dans mon service ici. Je suis désolée. Il n'y a rien. Et ça, je remercie Dieu pour ça. Vous n'avez rien à reprocher dans mon service ici. Voilà. Moi, je ne casse pas pour moi, je ne casse pas dans mon retour. Non, elles étaient deux, les Togolaises. Elles ont bien braisé. Mais braisées, vous êtes assises dans le coin. Donc, il y a une, non, par contre, il y a une qui ne parlait pas trop, qui était gênée parce que sa camarade m'était très à l'aise en train de raconter des trucs. Sans compter mes soeurs ivoiriennes qui viennent s'asseoir ici aussi pour me braiser, parler mal à mes employés. Franchement, arrêtez. Les employés, là, sans eux, une institution n'est rien. Voilà, donc s'il vous plaît, traitez bien les gens avec qui vous travaillez. Traitez bien les gens aussi qui vous servent. C'est important. Moi, chez moi, ici, on ne manque pas de respect à mes employés. J'ai du mal même à les appeler employés, je les appelle mes enfants. On ne leur manque pas de respect. Donc, si vous savez que vous ne m'aimez pas et que c'est difficile pour vous, bonjour madame, et que c'est difficile pour vous de venir me soutenir sans manquer de respect à mes enfants ici, ne venez pas. Restez chez vous. Je ne vous force pas à venir chez moi ici. Quand on n'aime pas quelqu'un là, on reste dans son coin. Voilà, je suis reconnaissante envers ceux et celles qui me soutiennent. Voilà, en tout cas, ce sont les hommes là. Ils viennent beaucoup ici. Oui. Et là, hein, je suis en train de faire votre salon de coiffure homme en bas. On va vous coiffer. On va vous payer. On va vous chouchouter, les hommes. Vous m'avez demandé pourquoi je n'ai pas de trucs comme bien quoi la dame. Bien ça, tu veux les trucs. Donc, perruque est parti pour lui quoi, lui. Ça va être fini, 100 000. Oui, de 200 000, elle passe à 100 000. 100 000 francs. Celle-là, je l'ai. C'est la dernière. Moi, oui. Pour la coiffure à la maison. Ça aussi, 200, ça passe à 100 000. Temps de nous tirer vers le bas pour rien. Tu n'aimes pas quelqu'un pour rester chez toi. C'est pas la peine de venir stresser ses employés ici. Mettez les j'aime pour moi pour me soutenir. Mettez les j'aime. La famille, on est ensemble. Bye bye. Voilà. Abonnez-vous. Mettez les j'aime.